Hello les citrons, j'espère que vous allez bien et moi je vais bien. Et dans cette vidéo, on se retrouve tout simplement dans une vidéo, j'ouvre vos cadeaux. Alors c'était quelque chose qui m'a été demandé et redemandé quand même pas mal de fois, donc c'est ouvrir les cadeaux des personnes aux cheveux roses. Alors on l'a déjà fait, mais vu que vous me le demandez tout le temps, celui-ci, donc on va le refaire. Donc je vais encore une fois ouvrir les cadeaux des personnes aux cheveux roses, donc pas les cadeaux roses mais les personnes aux cheveux roses, hein. On se souvient bien, et c'est parti avec les premiers cadeaux de Lalae 1. Et c'est parti, on va porter comme d'habitude les cadeaux que l'on reçoit pour voir un petit peu le look que ça fait à la fin. Oh, Neon Rainbow. Rainbow. Il est pas mal, hein, Lola, avec les petites licornes quand même. Ah, on va passer, on devient emo. On devient emo, le retour comeback du emo. Et le MO est reparti. Et bah écoutez, c'est parti, on va faire les prochains cadeaux. Et merci à tout le monde, merci Lalae, merci à toutes les personnes qui envoient des cadeaux. Et encore une fois, je suis désolée à toutes les personnes dont je n'ai toujours pas ouvert le cadeau, mais vous êtes tellement nombreux à m'envoyer de cadeaux que bah il y en a trop, quoi. Il y en a trop. Et on ouvre les cadeaux. Donc à chaque fois, tous les jours, je vous renvoie des cadeaux parce que j'essaye un petit peu. Voilà, il y a beaucoup de choses que je ne porte pas parce que j'ai tellement d'affaires. Il y a des choses qui c'est pas trop, sont beaux peut-être pour vous, mais pour moi c'est pas mon style. Du coup à chaque fois je vous renvoie des cadeaux un petit peu tous les jours. Tous les jours non, parce qu'il y a des jours où j'oublie, il y a des jours où je me connecte pas dans le jeu. Oh. On a la coupe de Pixie Star ici. Arrête pas MSP comme ça, c'est gentil, merci. Oh, en plus un t-shirt love, c'est trop mignon. Et on continue. Et du coup comme je disais, bah voilà. Voilà voilà. Ah non, pas ça, n'envoyez pas ça, n'envoyez pas ça. Déjà j'en ai reçu un par le jeu. Si en plus vous me les renvoyez les vôtres, ça va pas le faire. On va porter la casquette. Merci beaucoup, 15 aides pour l'auto, mais y'a pas de soucis. Oh non, non, ça non plus je vais pas porter, faut pas abuser non plus, hein. Tout ce qui est tête de robot, cadeau d'événement, truc que vous m'envoyez 15 000 fois. Non. Voilà, on part du principe que c'est un petit peu rosé quand même, c'est un bon rosé, donc on va ouvrir. Oh la femme lady, maintenant elle vaut plus rien. Ça c'est un rose pâle, je dirais, donc on va l'ouvrir aussi. On va l'ouvrir. Ah ça c'était des chaussures. Ça c'est des chaussures de Pâques. Ça c'était limite les premières chaussures de Pâques quand j'avais commencé MSP. Voilà. Bon, on les voit parce que avec ma Movie Star qui fait une position bizarre dans la toile d'araignée, mais on voit quand même les chaussures qui dépassent la robe. C'est trop chelou. Genre, oh mon dieu, avec la robe et tout, c'est trop bizarre. Mais c'est vrai que là, le look il est horrible. Parce qu'en soi, les chaussures là, elles sont roses avec un truc jaune, avec un. Le sac ça va encore, il va bien avec la robe. Mais avec le truc. Avec le truc en jeans, enfin. Next, non. Non, next. Non, 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 non. Désolée de gueuler, mais le chien est en train de faire une bêtise juste à côté de moi. Next. Non, tu arrêtes les bêtises. Arrête de me regarder comme ça. En plus, je t'ai donné un nonos. Tu l'as bouffé en 30 secondes chrono. Je m'en bats les steaks. Tu bouffes pas ma poubelle. Non, next. À chaque fois, il fout dans ma poubelle, ce chien. C'est incroyable. Oh mon dieu. Futur éboueur de métier. Hein, next. Hein? Tu veux faire ça dans la vie? Y'a pas de soucis, hein? Bon, ok, j'arrête mes conneries parce qu'en plus, il deviendrait éboueur et il boufferait plus les poubelles qu'il ne les mettrait dans la benne. Enfin, bref. On continue et c'est parti. Les cheveux roses. On n'oublie pas, 15 ailes objectif cheveux roses. Puisque me connaissant. Oh mon dieu. Non, ça va, encore ça va. Du jaune et du noir en chaussures, ça va. Parce qu'on va dire, les chaussures noires, ça s'adapte à toutes les couleurs de robe. Mais là vraiment c'est trop bizarre de l'avoir sorti, en plus on voit un bout de la jupe rose qui dépasse en bas. En tout cas, on continue. Et là, il n'y a pas d'autres cheveux roses. Là c'est des cheveux roux. C'est vrai qu'on m'avait aussi demandé beaucoup les cadeaux roses, donc voilà ce genre de cadeaux. Mais vu que ça j'ai déjà fait aussi, je sais pas si vous voulez que je leur fasse les cadeaux roses. Et merci beaucoup à Alia, merci beaucoup à toi pour la salutation, c'est trop gentil, merci beaucoup. Attends, on va lui envoyer un petit toto ici, on en profite pendant qu'on peut, merci beaucoup. Et on continue à chercher les cheveux roses. Ah, ici nous avons une jolie rose star. Ah, ça c'est... Oh non, oh non, m'envoyez pas ça. C'est des vêtements de base quand vous créez un compte, m'envoyez pas ça les gars. Non, le Katnose, oh non, le truc de début comme ça, non, m'envoyez plus ça. Hein. De toute manière, ça, je le concasse, je le recycle, je le donne même pas en fait. Tout ce qui est les trucs de base quand vous connectez pour la première fois dans le jeu, ou les cadeaux que vous recevez dans les premiers niveaux, ben ça, je l'envoie même pas en fait. Parce que, ben voilà, tout le monde peut l'avoir, du coup, je l'envoie pas, je préfère vous envoyer des cadeaux un peu plus originaux.
Et du coup, ça, après, je suis obligée de le recycler, donc gardez-les. Ou recyclez-les vous-même, ça m'évitera de le faire moi-même. Je t'adore, Kinzel. Oh, merci. Alors, les cheveux jaunes et citron. Oh. Même si, par exemple, ces cheveux-là, je risque pas de les porter, parce que, bon, je suis pas trop cheveux jaunes. J'aime bien le blond, mais le jaune comme ça dans les cheveux, de toute façon, je vous l'ai déjà dit, je ne ferai jamais de jaune dans mes cheveux, parce qu'après, on dirait un blond raté. Bah, par exemple, je trouve ça déjà plus original d'offrir ça à quelqu'un que d'offrir un t-shirt de base quand vous créez le compte. C'est déjà plus... Voilà, c'est un peu plus fun quand même. Est-ce que c'est... Non, ça c'est plus du rouge, mais il y a un dégradé rose. Donc, bon, allez, on ouvre le cadeau, il y a un dégradé rose. On va le compter quand même. Tu vois, ça, par exemple, ces cheveux-là, pareil, hein, ils sont très beaux. Je sais pas si je vais les porter, mais j'ai tout beau, en fait. Je dis que j'ai... Enfin, je sais pas si je vais les porter, parce que j'ai déjà tellement de coupes de cheveux et j'ai tellement, entre guillemets, des... je sais pas si ça se dit, mais des crushs dans les cheveux. Bref, je décroche partout. Du coup, j'ai tellement des cheveux où j'ai des coups de cœur en fait que du coup, ben voilà, c'est un peu compliqué. Oh, on dirait une poupée. On dirait une poupée. Ok, ici nous continuons. Et là, j'entends le chien faire des bêtises. Next, tu arrêtes tes bêtises, Lou. Tu peux me laisser finir la vidéo, s'il te plaît. Oh non, mais ce chien, il me. Oh my god. Oh my god. Aidez-moi s'il vous plaît. Il a tellement de jouets ce chien. Je lui achète tout le temps des os. Il a tout plein de trucs. Et tout le temps, il est obligé de bouffer tout, sauf ses os. C'est pas possible ça. Oui genre il bouffe ses os en 30 secondes et puis après ben il cherche un truc à bouffer encore. C'est terrible. Genre je le nourris pas. Après on va me dire que je nourris pas mon chien. Alors que si, il est super bien nourri. D'ailleurs il préfère manger des tables que de manger des croquettes, bref. Hein, hashtag le canapé de ma story time, pas de ma story time, ma story Instagram plutôt. Voilà, donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, bah, vous vous rappelez de ma story où le chien a bouffé le canapé, où le chien il a bouffé le coussin. D'ailleurs le coussin vous pouvez le voir hein, dans mes photos Instagram. Dans les photos, si vous allez voir mes photos Insta, si vous allez vous remonter un petit peu, vous allez tomber sur une photo avec un ex qui est enfin, il y a des plumes partout parce qu'il a bouffé un coussin en plumes d'oie. Oui, d'ailleurs, merci beaucoup à un coussin qui m'a coûté la peau du cul parce que vous savez, les plumes d'oie, enfin, même si c'était pas du 100% duvet, ça coûte extrêmement cher quand même. Pour un coussin, bien sûr, pour un coussin, je précise. Je trouve ça assez cher, même si après un coussin, tu le gardes pendant très longtemps. Hein, bon, celui-là, à l'occurrence, je ne l'ai pas gardé très longtemps. Il n'a pas survécu très longtemps. Mais voilà. C'est assez cher. Et puis, du coup, le coussin, il l'a démonté. En plus, vu que c'est de la plume d'oie, quand vous voyez le coussin, bon, c'est un gros coussin quand même. Mais quand vous voyez le coussin, voilà, vous n'avez pas l'impression qu'il y a autant de plumes. Mais alors, quand il a déchiqueté le coussin et qu'il a mis des plumes partout, bah, du coup, les plumes, elles ont gonflé, entre guillemets. Enfin, je sais pas, parce que c'est compressé dans le coussin, vous voyez. Enfin, je sais pas si vous comprenez, mais en gros, dans le coussin, c'est compressé. Les plumes, elles sont compressées. Alors que du coup, quand il a sorti toutes les plumes, bah, les plumes, elles ont volé partout. J'ai l'impression qu'il y avait 3-4 coussins déchiquetés dans mon salon, alors qu'en fait, il n'y en avait qu'un seul. Next, tu files. Allez, tu files, mon coucou. Tu ne mouves pas mon décor. Allez, tu files. Oui, parce que le chien, il vient, il veut faire genre, oui, je vais te faire un câlin, tout ça, tout ça. Et puis, bam, il commence à... Tu te rends pas compte, mais il commence à se retourner, il commence à bouffer mon décor. Oui. En plus, vu que j'ai le décor d'automne actuellement, ben, il y a un peu de bois. Il y a même beaucoup de bois dans mon décor. Et vu que le chien aime bien bouffer le bois. Oh, les gros bisous, je suis chou. Bon, j'arrête, tu peux faire des bisous. Hein. Je suis en vidéo, next. Hein? Maman, elle fait une vidéo. Hein? Elle est en train de me regarder. Genre, oh, c'est dommage que j'ai pas la webcam. Parce que je vous montrerai, il est tellement chou. Mais en fait, c'est le diable, c'est le Satan, mon chien. C'est Satan, je vais l'appeler. Je vais t'appeler Satan maintenant. Ce sera ton nouveau prénom, next. T'appelles plus next, t'appelles Satan. C'est le diable, ce chien. Il fait tellement de bêtises, mais en même temps, il a tellement une mime de beau gosse, de tout mignon. Bref, merci encore à Lia pour la salutation, merci beaucoup, c'est trop gentil. On va lui envoyer un petit peu quand même. Bah oui. Bah, en tout cas, ça se voit pas argenté. Et on continue. Je sais pas si je vais pouvoir continuer bien longtemps, puisque mon chien, il est excité là. Là, je le sens chaud à faire des conneries. Je le sens chaud, là, il a envie de faire des bêtises. Déjà, il est en train d'embêter le chat, mais comme le chat il vient d'arriver, il comprend rien à sa vie. Ah, tu vas te manger un coup de patte, next. Ah, là, il a compris, le chien, il a reculé.
Le chat il s'est retourné, le chien il a reculé, il a compris qu'il allait se manger un coup de pâte s'il continuait. Des fois, non mais franchement. Non mais lol quoi. Ils sont ouf ces animaux, ils sont ouf. Bon là c'est pas du rose, c'est du roux. Mais j'ai failli l'ouvrir quand même. Next. Ah non, non, non mais là, non mais là sérieusement, je suis désolée, mais je vais devoir couper la vidéo. J'ai envie de continuer encore un petit peu. Mais là je vais devoir couper parce que le chien, littéralement, il a pris un truc de ma poubelle, il s'est barré dans le salon. Bref, il a pris un truc en plastique. Alors que j'aille le courser comme d'habitude. Je fais mon petit. Moi en fait je fais mon footing du matin quand le chien il pique des affaires dans ma chambre. Enfin bon. Je trouve que le look en soi, il est sympathique. Il passe. Franchement là le look il passe. Je peux le laisser comme ça. Il est. Bon, c'est pas le plus beau de mes looks, mais pour un look après une vidéo de J'ouvre vos cadeaux, il passe nettement bien, franchement. Dites-moi ce que vous en pensez de ce look, il passe ou pas. Et n'hésitez pas à me soumettre des idées pour le prochain J'ouvre vos cadeaux. Et moi sur ce, je vous laisse, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Ciao ciao !